Salut à tous, vous rêviez d'une voiture dont la carrosserie change de couleur selon vos envies? Eh bien BMW l'a fait. Ce que nous avions imaginé dans le passé comme étant la voiture du futur est en train de devenir réalité. Bon, vous êtes certainement en train de vous poser la question, mais comment ça marche? Eh bien ne bougez pas, on vous explique tout. BMW profite du salon CES de Las Vegas, salon de l'innovation et de la technologie, pour nous dévoiler justement sa toute nouvelle technologie développée en partenariat avec E-Ink. Et non, vous ne rêvez pas, cette BMW iX est bien en train de passer du blanc au noir et du noir au blanc sans aucun souci. Je ne sais pas si vous imaginez le potentiel de personnalisation qu'il existe grâce à cette technologie. BMW amorce un début de l'utilisation de e-ink dans l'automobile. Et nous y voyons beaucoup d'avantages pour nos clients. Le premier d'entre eux est la personnalisation, l'expression personnelle. Vous choisissez les vêtements que vous portez le matin, vous choisissez le statut de vos réseaux sociaux et vous choisissez la couleur de votre voiture. Un autre avantage du e-ink, c'est qu'on peut montrer certaines informations directement à l'extérieur de la voiture. On peut y voir par exemple le statut de la batterie ou si vous perdez votre voiture dans un parking, on peut vous la faire flasher et vous la verrez directement. Bon, explique-nous comment on passe du blanc au noir et du noir au blanc, qu'on comprend pas trop là. Les changements de couleur sont rendus possibles par une enveloppe corporelle spécialement conçue pour épouser parfaitement les lignes du SUV 100% électrique de BMW. Lorsqu'elle est stimulée par des signaux électriques, la technologie électrophorétique amène différents pigments de couleur à la surface, ce qui fait que la surface de la carrosserie prend la teinte désirée. La coloration électrophorétique est basée sur une technologie développée par E-Ink, qui est surtout connue pour ses écrans utilisés pour les liseuses. Le revêtement de la surface de la BMW iX Flow utilisant la technologie E-Ink contient plusieurs millions de microcapsules, d'un diamètre équivalent à l'épaisseur d'un cheveu humain. Chacune de ces microcapsules contient des pigments blancs chargés négativement et des pigments noirs chargés positivement. Selon le réglage choisi, la stimulation au moyen d'un champ électrique fait que les pigments blancs ou noirs s'accumulent à la surface de la microcapsule, donnant à la carrosserie de la voiture la teinte désirée. Selon BMW, cette technologie permet d'optimiser la consommation de la voiture. Je m'explique. Une surface blanche reflète beaucoup plus la lumière du soleil qu'une surface noire. Par conséquent, le réchauffement de la voiture et de son habitacle dû à un fort ensoleillement peut être réduit en modifiant l'extérieur pour une couleur claire. Lorsqu'il fait un peu plus froid, un revêtement extérieur foncé aidera le véhicule à absorber sensiblement plus de chaleur du soleil. Cela peut donc aider à réduire l'utilisation de l'air frais ou de l'air chaud à l'intérieur de la voiture et à réguler la température à l'intérieur, ce qui peut avoir un impact effectivement sur la consommation de la voiture. La technologie e-ink est extrêmement efficiente sur le plan énergétique, car contrairement aux écrans ou aux projecteurs, la technologie électrophorétique ne nécessite absolument aucune énergie pour maintenir constant l'état de la couleur choisie. Le courant ne circule que pendant la courte phase de changement de couleur. La question reste de savoir est-ce qu'on pourra multiplier les couleurs à l'avenir ou est-ce que cette technologie ne se cantonne qu'au noir et au blanc. En tout cas, voilà une belle innovation qu'on pourrait très prochainement retrouver sur les modèles de série du constructeur bavarois. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter, à prendre soin de vous et de vos familles et à très bientôt sur la chaîne Motors. Ciao.